Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président du pays, le Vice-président, Madame la Ministre, ainsi que les ministres, les membres élus du peuple, nous tous qui sommes là, les journalistes, ainsi que tous les employés de l'Assemblée, nous sommes heureux de nous rencontrer ce matin. Nous allons commencer nos travaux et je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation. Mesdames et Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la troisième séance de sa session administrative le jeudi 10 mai 2012 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée Jacques Hydrolet. Merci. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Cross Valentina, Wamairi. Drole Jackie, Watame. Flos Gaston, Wamairi. Frebo Joël, Watame. Fritz Edouard, Wamairi. Galno Minari, Wamairi. Anderson George, Watame. Ishonuka, Watame. Iritim Teura, Wamairi. Isal Hefara, Wamairi. Jennings Tetone Patricia Wateme, Kaute Benoit Wateme, Komoitini René Wamairi, Lisa Marcelin Wateme, Mama Toyota Povicta Wateme, Manuhe Levia Gami Sandra Wateme, Maria Emma Wamairi, Mare Uratena Wateme, Maritra Gimairoto Lilian Wateme, Mataua Leoni Wameri, Mataua Mairon Wateme, Mati Juliana Wateme, Merceron Armel Wameri, Olivier Marise Wateme, Opa Afouani Wateme, Parker Elano Wateme, Poliet Ekinui Wateme, Rapoto Jean-Marius Wameri, Christian Monique Wameri, Rebetta Frédéric Wameri, Roma Tarofena Wateme, Saj Maina Wameri, Chil Philippe Wateme, Tama François Wateme, Tani Thérèse Wateme, Tonso Robert Wameri, Chunturoro Wateme, Tifarere Hiroiti Wateme, Temeharo René Wameri, Teremate Ruben Wateme, Teripayamita Wateme, Teruatea Sylvian Wameri, Tetuanuilana Wameri, Teura Justine Wateme, Tongson Gaston Wameri, Wau Ismael Wameri, Tuishobia Catherine Wateme, Utia Damas Wameri, Venodon Beatrice Wameri, Venodon Clarence Wateme. Merci. Je vous demande de lire les procurations déposées. Na Fritz Edouard, ya Temeharo René, na Iriti Teura, ya Flos Gaston, na Riston Monique, ya Tetonuilana, na Riveta Frédéric, ya Komitini René, na Venodon Beatrice, ya Teikin Poirier, na Minari Galnon, ya Eleanor Parker, na Tonson Gaston, ya Brodien Rosine, et na Maria Emma, ya Teripayamita. Maruru Maitei. Merci bien. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, voici l'ordre du jour. Approbation de l'ordre du jour. 2.
séance de questions orales. Trois, examen des rapports d'un projet de loi du pays et du bilan de la commission de contrôle budgétaire et financier. Voilà liste jointe. 4. Examen de la correspondance. Et 5. Clôture de la séance. Merci. Dans le rapport 3, il y a le rapport 42-59-SG et le rapport numéro 151-2011. Et je demande à tous d'approuver ce rapport du jour. Madame Eleanor Parker. Alors, le groupe de Mana Otimomutu s'appelle rouge l'opportunité d'avoir inscrit ce projet de réglementation à l'ordre du jour de notre séance. Une telle réforme, par ailleurs essentielle pour nos consommateurs, nos entreprises et partant pour notre économie, ne semble pas avoir recueilli le consensus suffisamment large qui sied à des changements d'une telle ampleur. Il nous semble donc urgent de reprendre les discussions avec toutes les forces vives de notre pays, et en particulier avec les consommateurs et les entreprises, pour que soit élaboré un texte qui répondra à toutes les exigences. Par ailleurs, il nous semble urgent de concentrer nos efforts sur la croissance de notre économie, non seulement par des mesures de relance, dont les moyens sont notablement contraints, mais également par des mesures visant à améliorer les relations administratives et fiscales du pays avec ses forces vives et le pouvoir d'achat des ménages. Ce sont là des mesures qui pourraient également redonner de l'emploi. En l'absence d'une autorité indépendante, le dispositif apparaît enfin incomplet. Alors le groupe Temana Otemomoto propose qu'au travers de la commission des affaires économiques que je préside, soit organisée une séance de travail avec des experts, des représentants des organisations patronales et des consommateurs. Il n'est donc pas question de remettre en question la nécessité d'une telle avancée qu'appelle de ses voeux l'ensemble de notre population, Monsieur le Président, mais en l'état, la sagesse s'impose au groupe de Temana Otemomoto et l'invite à requérir le report de l'étude de ce texte. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. On demande que ce rapport puisse être reporté pour une autre session. Levez les mains. Donc 30 qui acceptent, ceux qui sont contre, 3 voix contre, ceux qui s'abstiennent. Donc, ce qui signifie, donc l'ordre du jour a été changé. Il n'est plus question de deux rapports à examiner. Donc, nous avons un seul rapport à examiner. Emma Algon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, gouvernement, Monsieur le Président du pays, bonjour, et tous ceux qui sont là. Monsieur le Président, à la demande donc du groupe Temana Otemomoto, le dossier est donc retiré ou reporté, ou je voudrais savoir est-ce qu'il sera ramené en commission pour à nouveau retravailler tous ensemble ce dossier. Mais ce que je regrette, Monsieur le Président, c'est que ce dossier, le droit de la concurrence est attendu depuis des lustres. Et nous avons entendu la population solliciter la mise en place de ce dispositif pour lutter contre la vie chère, leur donner un peu plus de pouvoir d'achat, leur donner la possibilité de choisir des produits à moindre prix, des produits de qualité et à moindre prix. Et là, le dossier est arrivé à l'Assemblée en novembre 2011 pour un examen en séance plénière.
Et nous sommes au mois de mai. Au mois de mai. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que ce dossier soit retravaillé avant, enfin dans ce laps de temps-là? Bon. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque. Pour le groupe Yorat Finnois, effectivement, nous trouvons que le dossier est très insuffisant, le projet de texte, très insuffisant. C'est un copier-coller de ce qui existe, de certaines dispositions du Code de commerce métropolitain, mais je dirais même un très mauvais copier-coller. Puisqu'il y a un certain nombre de dispositions que vous proposez et qui, en fait, ne va pas favoriser la concurrence dans notre pays, puisque vous donnez d'une main et vous retenez de 90% de cette même main, c'est-à-dire avec toujours un contrôle ou un interventionnisme omniprésent du pouvoir public dans les relations commerciales ou dans les relations concurrentielles. Marulo. Voilà, donc c'est... Merci. En même temps, le plus grand, pour terminer, Monsieur le Président, pour faire vivre le droit de la concurrence polynésien, nous avons besoin d'un organisme indépendant et qui devra prendre les décisions et qui dispose de pouvoirs très importants pour être totalement indépendant des pouvoirs publics. Et nous avons, par les modifications de la dernière loi organique, nous avons cette possibilité juridique depuis la loi de août 2011. Narida. Et Narida. Nous avons les ressources humaines dans notre pays pour pouvoir faire partie effectivement de cette institution de contrôle et de régulation de la concurrence. Donc, il ne faut pas venir nous dire que nous n'avons pas les moyens humains et les compétences nécessaires. Nos jeunes font des études de droit ici dans notre université et même en métropole. Merci. Donc, la question n'est pas là. En temps voulu, nous discuterons, débattrons de ce sujet. Madame Sandra Lévy Agami. Le miracle n'aura pas pu se réaliser aujourd'hui. Non, je voulais profiter pour dire que je trouve que c'était une avancée juridique qui nous était proposée, qui permettait de donner un cadre juridique aux relations entre professionnels. Donc ça, c'est assez remarquable. Vous savez que je suis toujours très prompt à soutenir les avancées en matière de droit, notamment de protection des consommateurs. Et là, on avait la possibilité, même si c'est un texte perfectible, déjà de poser les fondations. Les points forts de ce texte, c'est de permettre de distinguer les pratiques anticoncurrentielles des pratiques restrictives de concurrence. On ne va pas rentrer dans le détail du sujet. Le point faible de ce texte, c'était finalement de ne pas avoir la mesure de l'impact sur le panier de la ménagère. Bon, c'est sûr que ça se fera certainement dans le temps. Ça aurait pu se faire dans le temps, puisque le texte est retiré. Je souhaite qu'il ne soit pas enterré, messieurs. Alors, je voulais juste conclure en disant que ce qui me choque dans ce qui se passe ce matin, c'est que ce texte a été validé en commission intérieure par les mêmes personnes qui, aujourd'hui, proposent de le retirer. Donc je souhaite qu'en commission intérieure, peut-être que les travaux soient tenus de façon plus sérieuse et pour nous éviter d'arriver à faire une dépense. Je sais, Monsieur le Président, que vous faites attention aux dépenses de l'Assemblée, en tout cas en matière d'organisation des séances. Je crois qu'aujourd'hui, on avait quand même des dossiers prévus pour optimiser les dépenses de l'Assemblée. On se retrouve à retirer un dossier qui pourtant est passé comme une lettre à la poste. En commission intérieure, j'ai lu le compte-rendu, il n'y a aucun élément, aucune personne qui a voté ce texte n'a fait de remarques contre ce texte. Donc du coup, je suis très étonnée de voir la proposition qui est faite ce matin. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voté contre la proposition de report, pour que ce texte soit maintenu à l'ordre du jour. Bon, c'est vous qui avez la majorité, vous décidez. Ceci dit, pour une fois qu'on pouvait avancer sur un sujet important qui concerne nos consommateurs, qui concerne la population, qu'on aurait pu le faire ensemble,
encore une fois, Monsieur Frébeau, j'allais voter pour. Ben voilà, le miracle ne s'est pas produit aujourd'hui. Merci. Le maire d'Arroué, vous avez la parole. Merci. Bonjour, Monsieur le Président du pays, Messieurs les ministres, chers collègues. Alors, je ne viendrai pas sur le fond, parce qu'effectivement, ce texte avait le mérite d'exister. On aurait pu en débattre ce matin. En revanche, ce qui m'interpelle, c'est la manière. Madame Parker évoquait tout à l'heure un manque de concertation. Je suis surpris que ce texte, qui est un projet du gouvernement, ait pu être déposé alors qu'il n'y aurait pas eu de concertation préalable. Et je m'étonne que le ministre concerné et porteur de ce dossier ne se soit pas exprimé justement pour au moins réagir aux remarques, voire aux critiques qui ont été faites par ma collègue. Moi, je me demande si le problème n'est pas ailleurs. Vous savez, j'ai lu la presse ce matin, j'ai lu les nouvelles ce matin. On me dit qu'il y a des négociations en interne, que ce texte finalement ne serait qu'un prétexte peut-être pour négocier autre chose. Moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, même si je pense que j'aurais du mal à avoir davantage de précisions. Mais en tout cas, encore une fois, la manière m'interpelle. Et au final, notre séance, qui n'était pourtant pas prévue dans le calendrier prévisionnel, qui est donc une séance exceptionnelle, finalement, on se réduit à une séance peau de chagrin, puisqu'on a quelques questions orales et puis un compte-rendu à rendre. C'est dommage. Voilà. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, j'ai voté contre le report de ce dossier. Merci. Merci bien. Dernière pensée, Madame Eleanor Parker, avant de passer au vote. Oui, Monsieur le Président, c'est juste un peu pour clarifier la situation. Vendredi, j'ai eu un appel de la Fédération générale des commerçants qui s'étonnait justement du passage de ce texte en séance. Et donc, en urgence, j'ai réuni quelques membres de la commission et j'ai étendu à d'autres représentants. Et sur la demande, que je trouve tout à fait logique et sensée, aujourd'hui, en tant que présidente, je demande un report en commission, pas le retrait du texte, au contraire, parce que c'est une avancée, c'est une demande que nous avons faite. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails et puis dans ce que nous, dans l'intervention de Monsieur le maire de Arroué, sur ce qui est dit dans les journaux. Je crois qu'il faut arrêter. Là, aujourd'hui, je demande, et ça a été voté à l'unanimité, que le report en commission de ce texte. Et puis j'invite nos représentants à venir en commission. Voilà. Merci. Nous allons passer au vote concernant cet ordre du jour qui a été rectifié. Même vote. L'ordre du jour a été approuvé. Donc, nous allons examiner le premier rapport, le premier sujet. Donc, nous avons reçu quatre questions orales. Et l'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question avant de donner la parole au gouvernement. Donc, le ministre dispose de 5 minutes pour répondre aux questions. Donc, la séance dure 1 heure et je demande à Madame Eleanor Parker de lire son rapport. Madame Liliane, vous avez la parole. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Président du gouvernement, Madame le ministre, Messieurs les ministres, les représentants, journalistes, internautes, public, Yorana. Ma question est adressée à Monsieur Anthony Géros, vice-président de la Polynésie française en charge de l'économie numérique. Monsieur le vice-président, c'est avec la mise en service du câble Honotoa que nous apprécions ici, à Tahiti, au Réa et dans les îles sous le vent, une navigation sur l'atoll en haut débit. Mais qu'en est-il de nos concitoyens des Tuamotu, des Marquises et des Australes?
Beaucoup d'entre eux se sont ces derniers mois rapprochés de nous, représentants du groupe Temanao Temomutu, pour se plaindre d'être les grands oubliés de cette avancée technologique. Le désenclavement économique et culturel, social de nos archipels passe aussi par une offre numérique de qualité. Aujourd'hui, la situation rajoute à la dispersion et à l'émiettement une fracture ouverte au sein de notre territoire et de notre population. L'impossibilité de fournir de l'Internet haut débit pour les îles serait due à un problème d'incompatibilité technique entre le satellite Intelsat IS-18 et les équipements terrestres de l'OPT. Et faute de moyens, aucune avancée n'est escomptée avant 2014. Qu'en est-il réellement? Si l'OPT n'en a plus les moyens, pourquoi ne pas confier cette politique de désenclavement dans les mains d'un autre opérateur? Je vous remercie pour vos réponses concrètes très attendues par nos résidents des archipels éloignés. Merci. Merci bien. Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Bonjour, nous qui sommes rencontrés. Merci bien pour madame Liliane Mairoto pour cette question que vous avez exposée. Donc, puisque vous avez posé votre question orale en français, donc je vous donnerai la réponse en français. Madame la représentante, la question que vous avez adressée est relative à la fracture numérique entre nos concitoyens des archipels éloignés et ceux des îles de la société, mais s'intéresse aussi au choix technologique que l'opérateur public a effectué pour assurer la distribution des télécommunications dans nos îles. En effet, les télécommunications ne se résument pas à l'Internet ou à l'opportunité de confier cette mission à un opérateur tiers. Les télécommunications sont un ensemble beaucoup plus vaste avec des prérequis lourds en termes d'infrastructures. J'ai déjà eu l'occasion du reste de m'exprimer sur cette question, mais il est effectivement utile de vous apporter les dernières avancées en matière de déploiement des télécommunications dans nos archipels éloignés et notamment du haut débit Internet, service que vous citez dans votre question. À aujourd'hui, la DSL dans les îles est déjà une réalité, puisque les sites les plus importants en termes de nombre d'habitants bénéficient de la DSL. Nos limites, 512 kilooctets. Il s'agit pour l'archipel des Tomutu-Gambier de Hana à Patei, Aratika, Arutua, Faite, Fakahina, Fakarawa, Fankantou, Ho, Hikueru, Kaukura, Makemo, Manhi, Mangareva, Napuka, Nukutawake, Pukapuka, Rongirua, Takapoto, Takarua, Tatakoto, Tikeheu et Tureya pour les Tomutu-Gambier. Pour l'archipel des Australes, Reiwawari, Matara, Raparurutu et Tupuei. Pour l'archipel des Marquises, Atuona, Teihua'e et Hakahau, archipel des Marquises. Cela représente 1 700 clients, soit 70% de nos abonnés téléphoniques des îles. Pour le reste de nos concitoyens, l'OPT prévoit de boucler le programme de déploiement dans le courant de cette année avec en prévisionnel. Au premier semestre, Mataiva, Makatea, Veiratea, Vaitei et Katiu, premier semestre. Deuxième semestre, Reo, Pukarua, Niau, Takume, Raroia, Raraka, Kauehi, Marutea Sud, Moruroa, Hereretue, Tematangi et Tohou. Pour ce qui concerne les Marquises, l'ensemble des stations VSAT HD. Ont été installés dans les vallées équipements qui permettent d'effectuer le transport des signaux entre les îles et Tahiti, où se situe la station maîtresse. La DSL sera commercialisée dans les vallées de Hanayapa et de Hatiheu au 1er juin. Dans ces deux vallées, on commercialise la DSL au 1er juin. Hanayapa et Hatiheu. Toutefois, des travaux complémentaires sont prévus à partir de ce mois pour les concentrateurs d'accès ADSL de faible capacité. C'est ce qu'on appelle les DSLAM.
Puisque je vois que votre question a été très technique, donc celui à qui s'adresse la réponse, c'est un technicien, il doit comprendre exactement ce que je lui communique comme information. Donc je disais donc que toutefois, des travaux complémentaires sont prévus à partir de ce mois pour les concentrateurs d'accès ADSL de faible capacité, c'est-à-dire les DSLAM. Elle se poursuivra sur tout le deuxième semestre 2012 et concernera 20 vallées, les 20 vallées suivantes. Aakapa, Haakuti, Hakahau, Hakahetau, Hakamai'i, Hakata'o, Hanatetena, Hanawawe, Hane, Hapatoni, Hohoi, Motopu, Nuku'atha, Omoa, Puomau, Taipiwei, Tepuna et Waitau. Deuxième semestre. Ainsi, à l'issue de cette année 2012, la grande majorité des habitants des îles pourra bénéficier du haut débit Internet. Cependant, en raison de la configuration de certaines de ces îles, les Motu, Otuamotu et vallées reculées aux Marquises, et de la répartition des populations sur celles-ci, il y en a qui sont au village, il y en a qui sont au Rahui, il y en a qui sont en début de vallée, il y en a qui sont au fond de la vallée. Certaines zones habitées ne seront pas encore couvertes. Il s'agira alors de traiter au cas par cas ces situations. Ce sont des zones avec moins de 10 abonnés. Pour prendre un exemple, quand vous prenez par exemple l'extension électrique, dès lors que vous devez servir une vallée, ben ça peut, si la vallée est très profonde, ça peut varier entre 1 million et 5 millions d'extension de lignes électriques. Donc voilà, c'est dans ces comparaisons qu'il faut considérer l'accès réel au haut débit ou non. Mais le matériel sera aux endroits que je viens d'indiquer. Si par ailleurs on étudie de près les abonnés des îles de la société, on se rend compte que 60% d'entre eux ont souscrit à une offre égale ou inférieure à 512 kilooctets. Ainsi, on comprend bien que la fracture numérique en Polynésie est beaucoup moins géographique qu'économique ou financière. Donc c'est bien en raison du coût qu'ils ont limité leur offre pour éviter de passer au débit. Donc rappelez-vous, dernièrement, on a offert le double pour le même prix. Comme vous avez peut-être pu lire dans un article paru dans la dépêche du 5 avril 2012, l'OPT a fait un choix technologique qui, au contraire de ce que vous semblez exprimer, permet pour un coût moins important de garantir à nos concitoyens des îles un meilleur accès au haut débit. Cependant, il s'agit là d'un tournant majeur en termes technologiques qui, à l'échelle d'un territoire aussi vaste que le nôtre, demande un peu de temps avant de pouvoir être pleinement opérationnel. Il ne s'agit donc pas là d'incompatibilité entre le satellite IS-18 et les équipements à terre, mais de travaux de mutation de réseau des télécommunications en Polynésie pour le plus grand bénéfice de nos usagers. Ainsi, grâce à ce choix technologique, 90% de nos abonnés téléphoniques des îles pourront avoir accès à la DSL à la fin de cette année, et ce, au même tarif qu'APAP-ETE. Par ailleurs, sur un plan financier, l'OPT a investi depuis 2009 plus de 251 millions de francs dans les réseaux VSAT haut débit pour la desserte des archipels éloignés. Près de 75% de cette somme permet de fournir l'accès Internet haut débit aux quelques 1 700 clients actuels, ce qui représente un coût de 111 000 francs par abonné. À cela, pour 2012, il faut également rajouter 98 millions de francs par an pour l'allocation de la capacité annuelle de 54 MHz sur le satellite IS-18, sans compter les coûts d'exploitation du réseau par les équipes techniques de l'OPT, ce qui représente un coût de 60 000 francs par abonné par an. Ces charges récurrentes seront amenées à évoluer à la hausse en fonction de l'évolution des débits véhiculés sur le réseau VSAT haut débit. Un rapide calcul permet de rapidement voir que l'ensemble de ces coûts ne sont pas couverts par les abondements perçus par l'OPT. Aussi, il paraît impensable qu'un autre opérateur que l'OPT, à qui incombe le service public de télécommunication, puisse être intéressé à assurer ces charges. Maruru. Merci. Merci bien, monsieur
le vice-président, monsieur le président du pays, monsieur le président de l'Assemblée, les ministres, les membres élus du peuple, les journalistes, et tous ceux qui nous écoutent. Une mauvaise nouvelle, nous avons reçu une mauvaise nouvelle. Notre ami Jeffrey Henry est décédé. C'est un de nos collègues. Est-ce que nous pouvons nous lever pour marquer une minute de silence pour adresser toute notre amitié pour sa famille. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Donc, je demande à tous d'accepter cette demande pour une minute de silence. Nous passons à la deuxième question orale et je demande à M. René Temeharo de poser sa question. Merci M. le Président de l'Assemblée, M. le Président du pays de la Polynésie française ainsi que les ministres. Pourquoi cela vous fait rire? Bonjour à tous les représentants de l'Assemblée, les journalistes, ainsi que le public qui nous écoute. Monsieur le Président, sur le premier rapport, nous ne sommes pas d'accord parce que nous voyons la difficulté qui existe dans la majorité. Le problème se situe à ce niveau-là. Le 1er mars dernier, vous avez annoncé l'augmentation des tarifs de l'électricité en justifiant cette mesure, notamment par une augmentation du prix du fioul. Selon les chiffres que vous avez avancés, cette hausse devait s'effectuer de manière globale à hauteur de 3,13% du kilowattheure. Hausse moyenne, puisque selon vos dires, les petits consommateurs, que vous estimiez à 28 500 abonnés, devaient voir leur facture baisser de quelques francs au mieux. Par contre, vous aviez choisi de pénaliser les grands consommateurs, et je reprends là vos qualificatifs, ceux qui disposent d'une piscine, d'un jacuzzi, de plusieurs clims. Depuis l'envoi des dernières factures de l'EDT, nous avons assisté à une véritable révolte d'une grande partie des consommateurs qui ne comprenaient pas pourquoi leur facture avait été augmentée dans des proportions inimaginables. Et surtout insupportable par ces foyers qui ne font pas partie de ces foyers nantis, possédants, piscines et jacuzzi. EDT a tenté d'apporter une explication en expliquant qu'il s'agissait d'un rattrapage pour les grosses consommations dues à la chaleur. Est-ce que vous partagez cette explication, Monsieur le Ministre? Et dans ce cas, est-ce que ce rattrapage sur consommation antérieure s'est fait sur la base du nouveau tarif,
sachant que la consommation réelle n'est désormais facturée que tous les 4 mois. Ou bien, ces augmentations sont-elles liées directement à la modification de la formule tarifaire dont les conséquences n'auraient pas été mesurées pleinement par le gouvernement? En tout état de cause, nous pensons que toute nouvelle hausse dans un contexte de récession économique, et ce après l'instauration d'une nouvelle taxe dans les produits électriques, sans compter les taxes sur les produits européens, deviennent véritablement insupportables pour nos compatriotes. Elles sont d'autant plus insupportables que nos compatriotes, via la ponction budgétaire, doivent déjà supporter les conséquences de vos errements depuis 2005. Qui vous avez conduit à baisser d'autorité les tarifs de l'électricité, rappelez-vous, et ce qui a valu au pays d'être condamné à plus de 2 milliards d'indemnités. Peut-être pas à vous directement, mais un de vos collègues dans le gouvernement. Hein. Donc, nous payons une première fois au travers de notre facture et une deuxième fois au travers de nos impôts. Et là, il n'y a pas de différence entre le petit et le gros consommateur. Enfin, Monsieur le ministre, donc, je profite de la question et je vous saisis cette question pour vous redemander si dans le cadre de la disparition du Fonds de développement des archipels, vous envisagez de supprimer la taxe territoriale prélevée sur nos factures EDT pour financer cet établissement. Maruru. Merci bien, Monsieur le représentant. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais avant tout saluer tous les représentants et les représentantes, également la presse, qui, je suppose, vont me poser beaucoup de questions par la suite. Mais je tendrai d'y répondre. Vous avez donc posé la question sur la situation de la tarification du coût de l'électricité à compter du mois de mars 2012. Il me semble important de vous rappeler que l'actualisation de la formule tarifaire de l'électricité se fait chaque année, le 1er mars. Cette disposition est inscrite à l'article 11 du cahier des charges, qui concerne donc la convention de concession de distribution de l'énergie électrique de Tahiti, dont je rappelle qu'il a été donc concédé à la SADT jusqu'en 2030 par un gouvernement auquel je n'ai pas participé. Qui remonte bien avant l'arrivée du TAOI, de l'UPLD. Et donc nous sommes tenus à ce cahier des charges et l'application de cette formule, quoi qu'on en dise. Cette actualisation du 1er mars doit donc se faire sur les éléments suivants. Les ventes d'énergie électrique dans les îles de Tahiti en 2011. Ensuite, nous devons intégrer la consommation en fioul et en gazole. Ce sont les règles. L'indice général des prix à la consommation en décembre 2011 et ce qu'on appelle l'indice des produits divers pour les matériels en décembre 2011. Or, vous le savez, dans le même temps, le pays a dû faire face à une flambée du prix du fioul 1%. C'est la qualité du fioul qui était donc utilisée par l'EDT pour ces centrales. Pour mémoire, en 2011, le produit utilisé pour les centrales EDT correspondait à du fioul à 1% de soufre pour un premium fixé à 61,5 $ la tonne. Il s'agit des conditions d'achat auprès des raffineries du côté de Singapour. L'augmentation significative des coûts d'élaboration et de mise à disposition de ce carburant pour l'année 2012 portait la valeur de ce fioul, de ce premium, à 109 $ au 1er janvier 2012, soit 48 $ 4 la tonne. Ce sont les constatations faites. Pour contenir cette hausse, il a été proposé à l'EDT de revenir à l'utilisation du fioul à 2%. Afin de pouvoir bénéficier d'une réduction de ce coût. Ce qui a permis donc de dégager, dans un premier temps, 74 $ au lieu des 109 qui devaient s'appliquer. Malgré tous les efforts, le premium de ce nouveau fioul reste supérieur à celui pratiqué en 2011. Car contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas parce qu'on est revenu à du 2%, c'est une flambée générale du coût du fioul. Il fallait pour cela, pour pouvoir bénéficier de la meilleure baisse,
arriver à utiliser du fioul de 4%, celui qui est notamment utilisé dans les navires. Je ne vous dis pas la situation en termes de pollution, elle est tout autre. On sait que notre centrale a été installée dans une vallée. Et là, on aurait un problème environnemental à gérer. 4% aurait permis d'avoir des prix très bas. Mais nous avons fait le choix de la protection de l'environnement et, tout, et surtout des conséquences en la matière. Donc il fallait rester à 2%, ce que l'EDT a accepté. L'EDT était en droit de rester sur sa disposition contractuelle à 1%. L'EDT a accepté de revenir à 2%. Nous avons pris les précautions au niveau de la qualité de ce fioul pour que ça puisse tenir les engagements. Au final, donc, l'impact global de cette actualisation en y intégrant et la formule de révision tarifaire, sur le prix de référence, comme vous le citez, est bien de l'ordre de 1 franc 10 le kilowattheure, ce qu'on appelle le prix de référence, qui ensuite permet de redéfinir l'application de ce prix par les tranches tarifaires. De deux choses l'une, on veut porter l'effort auprès de qui? C'est ça la définition. Comment répartir la notion d'effort? Nous avons fait le choix, nous, de redéfinir une gamme de ce qu'on a appelé les petits consommateurs, jusqu'à hauteur de 300 kWh. Attention, cela suppose également que la situation de consommation, ce qu'on appelle les compteurs électriques, car on a constaté qu'il y a 28 500 abonnés, chiffre précis de l'EDT, qui avaient un niveau de consommation inférieur à 300 kWh, pour lesquels, pourtant, ont été installés des compteurs avec des capacités de consommation très fortes, du type 6,6 kg, ce qui fait 30 ampères. Or, leur niveau de consommation et la capacité du compteur étaient tout naturellement, en rupture des besoins. Il a donc été proposé dans la construction de ce tarif de mettre des compteurs à 3,3 kg, voire 4 kg. Parce que le coût du compteur est aussi intégré dans la facture. Ce qui permet donc d'atténuer l'application, de la péréquation du prix sur ces petits consommateurs et en même temps de les inviter à tout moment à refaire faire une étude par l'EDT pour qu'ils aient des compteurs adaptés à leur niveau de consommation. L'image qu'on peut avoir de cette situation, elle est complexe pour le consommateur. J'ai personnellement demandé à l'EDT d'appeler tous ces consommateurs et de leur proposer la révision de l'installation de leur compteur. Il est vrai que lorsqu'on construit un logement, généralement, l'électricien nous met le niveau maximum en cas de besoin futur. Donc, c'est généralement du 6,6 kg et du 30 ampères. Or, on peut installer du 15 ampères. La question qui revient à la tête de tout le monde, mais si un jour j'ai quelques travaux à faire, notamment de la soudure, on sait qu'un poste de soudure consomme beaucoup. Ben, figurez-vous qu'il y a les nouveaux postes de soudure qui consomment très peu. Véridique, où on suit l'évolution technologique, où là on continue à utiliser des produits qui sont très consommateurs. Et donc, bah écoutez, faites vous-même, vous verrez. Donc il y a effectivement des possibilités. Monsieur le représentant, je réponds à votre question. Alors que l'EDT nous a annoncé une hausse de 4,5 à 5%. Nous avons tout fait pour la contenir. Alors, je disais donc sur la situation des petits consommateurs, nous avons établi la consommation au niveau, donc, la consommation moyenne aux alentours de 250 kWh. On aboutit à une augmentation de facture de 44 francs. Le chiffre est ici. Et effectivement, lorsqu'on arrive à une consommation de 400 kWh, voire 500, la conséquence sur la facture nette est d'environ 1000 francs. Voilà comment s'est fait la répartition. Que s'est-il passé dans la même période? Nous sommes passés à une relève quadrimestrielle, tous les 4 mois. Par rapport à une situation théorique de relevé. Alors, bien entendu, j'ai entendu les consommateurs qui m'ont appelé, ma facture explose. Je dis, enfin, c'est certainement pas dû à l'harmonisation des tarifs. Et bien, j'ai demandé à l'EDTJ, ici, monsieur le représentant, si vous le souhaitez, les factures réelles sur les 3-4 derniers mois et la dernière facture. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, tout simplement, la première constatation qu'on peut faire, c'est que le volume de kilowattheure à la facturation réelle est supérieure à la moyenne des mois précédents. Lorsque quelqu'un me dit, voyez ma facture augmentée, auparavant j'étais facturé sur 300 kWh, j'ai ici des exemples,
Il me dit, je ne comprends pas que ça a explosé. Je lui regarde ta dernière facture, elle est à 900 kWh. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ici des relevés réels qui sont établis depuis le mois d'août de l'année dernière. Je ne vous dis pas. Alors, c'est cela qui a donné lieu. J'ai eu, tout entendu, j'ai eu des augmentations de 15 000, 20 000 francs. J'ai même des consommateurs qui se sont plaints d'avoir reçu une facture négative de 25 000. Peut-être que le signement n'était pas transparent. Ah, je vous assure. L'EDT a mis en place à ma demande une structure chargée de recueillir toutes ces doléances. On a le nombre de plaintes, environ 200, y compris pour ceux qui ont reçu des factures négatives. Alors, de deux choses l'une, c'est un avoir à valoir sur les mois suivants. Ou alors, ils se disent « remboursez-moi ». Mais attention, la situation va s'inverser, parce qu'on est dans un revenu quadrimestriel. En aucun cas, cela n'est dû à la revalorisation du tarif. La portée, la conséquence de la revalorisation du tarif est à 1,10 francs sur le prix de référence. Ensuite répartit ce qui fait 3,13%. Et vous le verrez aisément dans le cadre de l'indice des prix, qui a effectivement acté l'impact et le poids du coût de l'énergie, de l'électricité. Attention, l'indice des prix vous ressortira un chiffre bien supérieur au 3,13. Et pour cause, l'indice n'est relevé qu'à 3e OREA. Or, le tarif de l'EDT va jusqu'en dans les îles pour les concessions dévolues à l'EDT. Et évidemment, c'est là qu'on retrouve la masse des 28 500 abonnés. On a une distorsion entre l'application d'un tarif et un relevé fait par l'indice parce que ça s'arrête à Tritier Mouréa. J'ai demandé à l'ISP pourquoi on ne le fait pas. Les îles ne sont pas couvertes en termes de relevé de prix. Donc vous aurez forcément une distorsion. L'écart s'explique dans le relevé. Pour autant, quelles mesures prendre? La possibilité a été donc offerte par l'EDT, soit l'auto-relève, c'est-à-dire que c'est la personne tous les mois qui annonce son niveau de kilowattheure, ce qui se passe de plus en plus dans les îles par le prépayé, que nous avons également l'intention d'installer ici, à Tahiti, pour que les gens arrivent à maîtriser leur consommation d'électricité. Alors, ou alors la relève mensuelle. Il faut faire attention dans le cadre de l'autorelève. Il ne faut pas que les gens se disent « je vais annoncer un chiffre moindre » parce qu'à un moment donné, il y a la régularisation du relevé de compteur. Hein. Je crois qu'il faut jouer. Alors, voilà les explications sur la situation de l'EDT et donc de cette tarification. Alors, ensuite, vous m'avez interpellé sur la condamnation du pays à payer plus de 2 milliards d'indemnités versées à l'EDT. À ma connaissance, le pays n'a jamais été condamné. C'est un accord transactionnel qui a été opéré. Vous le savez bien. Non pas pour 2 milliards, mais pour 1,8 milliard. Les procédures judiciaires ne sont pas arrivées jusqu'au bout. Il s'est trouvé qu'à ce moment-là, un président du gouvernement, pris de panique, signait un accord transactionnel. Je l'avais dit, nous avions la même situation de l'ASMPP qui réclamait 3 milliards. Nous avons tenu tête. Et nous avons eu raison, car nous n'avons pas été acculés à signer ce type d'accord. C'est cela, la réalité, non pas du 2 milliards, mais d'un milliard et demi. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Lorsqu'on évite, lorsqu'on n'a pas la volonté d'aller jusqu'au bout des décisions de justice, eh bien, on est acculé à signer un accord transactionnel au profit de l'EDT, mais à l'encontre du pays. C'est cela la réalité. Ensuite, vous m'avez interpellé sur la situation donc du prélèvement qui avait été instauré à l'époque, 0,50 du kilowattheure et 1,50 franc, me semble-t-il, sur des notions de tarification dites sociales, entre 0 et 50 kilowattheure qui a été ramené à 100, qui était notamment à l'époque destiné à alimenter le FDA. Vous me dites, allez-vous donc, dans la mesure où si le FDA était appelé à disparaître, reviser, retirer cette taxation? Là encore, je suis étonné. Il faut rappeler que cette disposition a été prise par un autre gouvernement, dont je n'en faisais pas partie. Qui plus est, le sujet était encore d'actualité lorsque la vice-présidence du gouvernement était assurée par M. Édouard Fritch. Que ne l'a-t-il pas fait?
Que ne l'a-t-il pas fait? Car cela a été bien versé dans le budget général du pays. Mais votre groupement politique a subi les responsabilités d'alors. Que ne l'a-t-il pas fait? Soit ramené au FDA, soit, d'ores et déjà, dès lors qu'il a été extourné du FDA, le retirer complètement. Parce qu'aujourd'hui, ce financement n'est plus dévolu au FDA. Donc ce n'est pas la disparition du FDA qui va reposer la question de ce prélèvement. C'est déjà, elle aurait pu se poser, elle devait se poser au moment où M. Édouard Fritch assumait les fonctions de vice-président. Voilà, Monsieur le Président, Maluru. Madame, Monsieur les représentants, la réponse que je souhaitais apporter à cette question. Maluru Maite, rendre merci. César ce qui est à César et à Gaston ce qui est à Gaston. Maluru Maite. Passons à la question orale concernant les pandanus et je demande à Madame Tamara Bob Dupont de nous lire sa question. À tous. Bonjour. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Économie. Messieurs les ministres, la réglementation territoriale impose que les bungalows hôteliers sur l'eau soient couverts de pandanus. Le plan général d'aménagement de Moréa-Mayor précise que pour les établissements de style polynésien, l'emploi du pandanus, d'uniaou ou de tuiles de bois massives est obligatoire pour le revêtement des toitures des bâtiments à usage du public ou les logements des employés. Nos îles produisent des tuiles de pandanus que les hôteliers utilisent de plus en plus souvent à regret pour se tourner de plus en plus vers l'usage d'imitations de pandanus en plastique. Ce sont de pâles imitations, des produits de remplacement qui ne font pas vraiment illusion. Sans parler du bilan carbone déplorable des importations de ces matériaux polluants qui n'auraient jamais dû être autorisés, ni de l'évasion des capitaux pour achat à l'étranger. Ces fausses feuilles sont surtout des atteintes au savoir-faire, à la culture et à l'emploi polynésien. Certes, les hôteliers se plaignent de la qualité du pandanus qui se serait dégradée au point que les toitures ne dureraient que 2 ou 3 ans au lieu de près de 7 ans comme jadis. Certes, les hôteliers se plaignent du prix. Certes, enfin, les hôteliers, ils se plaignent de la disponibilité du stock insuffisant, entraînant des temps d'attente incompatibles à leur activité. Mais si l'on assiste d'une part à la grogne des hôteliers, fiscalement favorisée par ailleurs, on entend aussi d'autre part la plainte des producteurs qui voient leur marché s'effriter au profit de matériaux en plastique genre Palmex, tandis que leurs revenus sont en baisse, menaçant l'économie de petites collectivités comme celle de, notamment de Moréa, de Mayor ou certaines vallées de l'île de Moréa. À l'heure où le pays cherche des voies de développement pouvant offrir du travail pérenne à notre jeunesse, à l'heure où l'on veut transmettre la culture et les savoirs ancestraux, cela n'est pas acceptable. La commune de Moréa-Mayor a ouvert la voie du soutien aux producteurs du pandanus qui ont fait parvenir aux autorités en janvier 2010 une pétition pour sauver leur filière. Elle a procédé à des rencontres et des échanges de courriers avec les hôteliers. Elle a ainsi à plusieurs reprises saisi les instances gouvernementales pour demander que soit instaurée une démarche de recherche et de développement afin que le pandanus puisse bénéficier d'une filière de production et de transformation importante, régulière et de qualité certifiée à un coût garantissant les revenus des producteurs tout en permettant aux hôteliers de disposer d'un matériau répondant aux exigences d'un investissement maîtrisé. Et cela, j'en suis convaincu, messieurs les ministres de l'Agriculture et de l'Économie, pourra intéresser des personnes construisant un forêt. Je ne suis pas une experte, mais cette recherche pourrait porter
par exemple, sur un meilleur sol, la meilleure variété, le meilleur processus de fabrication, de traitement, d'assemblage avec les meilleurs matériaux naturels disponibles, la meilleure pose, pente, bureau, épaisseur, etc. Et tous autres éléments de processus agricole et semi-industriel de la filière pandanus, y compris les prix de la commercialisation et de la pose. Ma question, messieurs les ministres, est la suivante. Au regard de l'urgence, de l'intérêt public et de la sauvegarde économique des producteurs, des tresseurs et des poseurs de pandanus et de leurs familles, pouvez-vous vous engager à mettre en place un contrôle plus strict de l'usage du pandanus et à lancer dans le plus bref délai cette démarche de recherche et de développement pouvant permettre ainsi une diminution progressive, voire une limitation des importations de matériaux en plastique. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre de l'Agriculture, vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs les membres de l'Assemblée, Yorana. La question interroge le ministre de l'Agriculture en exposant des faits certes intéressants, mais qui semblent pour le moins très éloignés des compétences du MAE. Par ailleurs, elle finit par interroger sur un cadre juridique et réglementaire à mettre en place, lequel ne concerne le MAE que sur un terrain spécifique de recherche et développement au niveau des ressources forestières endogènes. C'est dans ce souci de ne pas obérer cet aspect utile des choses que j'ai le plaisir de vous donner quelques éléments ciblés, très techniques, lesquels, je le souhaite, vous satisferont. En effet, il émane de mes services compétents du SDR et de son département de la forêt en particulier, qui se sont employés à dérouler à votre intention les éléments d'analyse et de prospective qui suivent. Après le cocotier, le fara est une des espèces traditionnellement les plus importantes pour ses emplois utilitaires et médicinaux dans les différents archipels polynésiens. De nombreuses variétés ont été créées par la sélection naturelle, opérée depuis plusieurs centaines d'années, et se sont distinguées par différents noms locaux, portant principalement sur la forme des fruits, les couleurs ainsi que la qualité des feuilles. L'utilisation du rauphara comme l'élément de toiture était largement répandue, de telles toitures ayant une durée de vie d'au moins 5 ans. Aujourd'hui, les toitures en rauphara sont également soumises à la concurrence de toitures synthétiques. En effet, on constate une diminution du chiffre de production en millions de francs entre 2007 et 2010, d'à peu près 300%. Voici quelques détails. 2007, nous étions à 170 millions de chiffre d'affaires. 2008, 82 millions. 2009, 48 millions. 2010, 54 millions, dont 30 millions pour Moréa-Mayotte. Au niveau des données techniques, on peut faire un comparatif du prix. À l'heure actuelle, nous avons un prix du rauro à 6 000 francs le paquet, en moyenne, pour le palmex à 6 000 francs aussi. En termes de potentiel de production, nous avons un potentiel d'à peu près 40 000 paquets, sachant qu'un paquet couvre à peu près une superficie d'un mètre carré, donc nous avons la possibilité de couvrir 40 000 mètres carrés. Aujourd'hui, les besoins des hôteliers à Moria est d'environ 5000 mètres carrés. Donc, si l'on regarde de ces chiffres, rien que la production actuelle de Mayotte, qui est de 12 000 paquets, couvre et suffise aux besoins des hôteliers de Moria. Ce, malgré la qualité qui était reprochée. Le produit ne durant que 2 à 3 ans. À la suite d'une tournée technique organisée en juin 2010 par le SDR, un programme de travail avait été établi.
Ce programme est axé sur 4 points principaux. La régénération de la cocoterie qui ne dépend plus du ministère de l'Agriculture. Un programme de sélection des PMR sera initié dès 2012 pour alimenter la pépinière qui devrait être fonctionnelle cette année. Ce programme sera mené par le ministère du Développement des archipels en charge depuis 2011 du programme de la régénération de la cocoterie. La création de la pépinière qui servirait également à la production d'agrumes et de bois, de plombs de bois précieux destinés à l'artisanat sera menée en relation avec le SDR dans le cadre du développement de Moréa et de Moréa-Mayor. La lutte contre certaines espèces envahissantes, falcata, acacia, faux pistachier, par un programme d'exploitation et de contrôle. L'enrichissement du littoral en espèces d'intérêt commercial ou artisanal, fourniture et plantation de plomb, de tamanou, de tau, miro, santal. L'aide à la production de toiture en pandanus, essais de variétés présentant les qualités requises par le secteur, fourniture de boutures et semis de aïho et de bambou nécessaires à la confection des panneaux. Concernant le pandanus, un inventaire précis de la ressource ainsi que son état sera réalisé lors d'une prochaine mission des agents du SDR et répondra partiellement aux préoccupations du maire pour suivre la production de pandanus comme matériau de construction et en améliorer la qualité. Dans un premier temps, il faudra évaluer la ressource, estimer la qualité pour pouvoir disposer sur place de produits annexes servant à la confection de panneaux de toiture. Ainsi, il faudra aussi étudier les techniques de confection et apporter des améliorations nécessaires, réduisant ainsi la pénibilité du travail tout en augmentant les rendements. Une proposition d'action, recherche, test de nouvelles variétés pourra être réalisée à l'issue de cette tournée. Pour ma part, et si le pays, en réponse à une demande des producteurs ou des élus, souhaitait investir dans une valorisation agronomique et culturelle sur le terrain quantitatif de la production de pandanus, je suis tout à fait favorable à y impliquer mes services compétents. C'est avec plaisir que je vous livre ces quelques éléments ciblés très techniques. En souhaitant vous avoir utilement informé sur ce terrain spécifique de recherche et développement au niveau des ressources forestières endogènes, je laisse mon collègue ministre de l'Économie vous donner les éclairages ciblés sur les aspects plus économiques et fiscaux et sur la problématique du cadre juridique et réglementaire à mettre en place directement lié à la concurrence Palmex. Merci. Soyez bref. Bien, je vais essayer de faire court. Après toutes les explications données sur l'organisation de la filière, je pense qu'il y a deux politiques en la matière. Certains souhaitent une interdiction totale du Palmex. D'autres me disent il faut mettre un droit supérieur, donc une TDL. Je pense qu'avant tout, il faut organiser la filière, comme l'a rappelé le ministre. Je pense que là, on a un produit qui pourrait très bien supporter la mise en place d'un GIE pour protéger leurs intérêts, à la condition qu'ils répondent à la qualité, au prix et à la disponibilité des stocks. Partons de là. Moi, j'ai demandé à ces producteurs qui sont venus me voir de se regrouper. Parce qu'il n'y a pas que Montréal, il y a aussi Brobora. Partons de là. La meilleure des réglementations, c'est lorsqu'elle est acceptée par les utilisateurs eux-mêmes et non pas sous la contrainte. Et il me semble qu'il faut intégrer l'obligation d'utiliser le RoRo dans la charte de l'Ontario, afin que ceux qui se lancent dans ce domaine d'activité, pour obtenir le classement, respectent le cahier des charges. C'est la meilleure des réglementations. Je n'ai pas besoin de mettre quelqu'un derrière chaque hôtelier ou chaque importateur. C'est la mesure la plus efficace, me semble-t-il, dans un premier temps. C'est donc d'intégrer l'obligation au niveau de l'achat de l'hôtellerie pour nos structures, comme vous l'avez rappelé, Madame la représentante, les structures de l'hôtellerie. Alors, ça se décline aussi bien les hôtels 5 étoiles que jusqu'à la définition de la petite et moyenne hôtellerie. C'est à l'intérieur de cette charte, parce qu'ils viennent rechercher le classement de cette charte, issue de cette charte, qui, me semble-t-il, est l'action la plus profonde. Donc je me prépare avec les services concernés du ministère du Tourisme à organiser ça en accord, bien entendu, avec les éléments qui me seront communiqués par le ministère de l'Agriculture. Voilà,
Monsieur le Président. Maruru maite inote haputora itpa honorate anineyau ya teiki porlie ya tei. Je demande à Monsieur Teiki Nui Porlie de poser sa question. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président du Gouvernement, Messieurs les Ministres, chers collègues de l'Assemblée, collaborateurs et internautes, bonjour. La question que nous posons ce matin a pour objet le quel développement durable pour la Polynésie française avec le nouveau président de la République française. Voilà, M. François Hollande est élu président de la République française. Les Français ont choisi et il va donc mettre en place le projet socialiste comme s'il s'est engagé, il souhaite ce projet capable de sortir la France de la crise. Chez nous, notre inquiétude est grande, nous tous, nous la partageons tous. C'est une inquiétude face à une situation économique et sociale qui poursuit sa dégradation, une dégradation quotidienne. Alors, Monsieur le Président, nous avons quatre questions. Quelles mesures entendez-vous prendre et dans quel délai pour ramener la confiance de tous les Polynésiens, notamment celle des jeunes, mais aussi celle des acteurs privés, comme celle des communes ou encore des syndicats. Comment allez-vous mettre en œuvre le partenariat apaisé avec l'État? On en a beaucoup entendu parler pendant les différents débats télévisuels. Quels sont les dossiers prioritaires avec lesquels vous partirez prochainement à Paris? Là aussi, on a entendu beaucoup d'autres personnes s'exprimer sur ces questions, mais il nous serait intéressant d'avoir vos réponses. Et quel est le devenir de ces trois volets de l'ancienne DGDE? Voilà, merci, Monsieur le Président, des réponses. Monsieur le Président, donc parce que cette question est fondamentale, eh bien, je vais la faire parvenir à M. François Hollande, nouveau président de la République, et lui-même lui répondra. Merci. Nous sommes arrivés au terme du point numéro 2, donc nous passons au point 3, l'examen des rapports, et en particulier celui concernant la CCBF. La conférence des présidents a donc prévu une heure pour l'économie, pour la discussion générale. Donc, j'invite donc le groupe Totatoya à prendre la parole. Il n'y a pas d'intervenant. Personne. Merci. J'invite l'intervenant du Tahu Iratira à prendre la parole. Monsieur le maire, vous n'avez rien à nous dire. Merci. J'invite le groupe Yoro Tefinu à prendre la parole. Madame Armel, monsieur Jean. Merci, monsieur le président. Moi, j'ai préparé quelque chose et j'espère que vous me laisserez le temps pour cela, parce que c'est quand même le travail d'une année. Oh ben, je parle plus fort que votre taux, hein. Et j'espère attirer aussi l'attention du gouvernement, parce que je pense que ce rapport est justement une occasion de faire un peu le point sur l'action du gouvernement vue à travers la CCBF. Et je pense qu'il est important que nous ayons l'écoute du gouvernement et peut-être une réponse un peu plus longue, Monsieur le Président, que celle que vous venez de faire à la question de mon collègue Teiki. Il faut se rappeler que l'un des axes essentiels de la modification en 2007 de la loi organisant notre statut de collectivité d'outre-mer visait à développer les fonctions de contrôle démocratique de l'action du gouvernement par notre Assemblée pour, j'insiste, une vie politique plus transparente.
Alors, 5 années après, peut-on dire que le contrôle de l'action du gouvernement par l'Assemblée, ainsi que le suivi de l'exécution budgétaire, est satisfaisant? Suffirait-il de dire que la CCBF s'est réunie 43 fois en 2011, qu'elle a donné un avis sur 632 projets de décision du gouvernement et qu'elle présente aujourd'hui un beau rapport d'activité dont, Monsieur le Président, j'aimerais bien connaître le prix. Je ne m'attarderai pas sur ces points, si ce n'est pour remercier à nouveau les agents du service des commissions de l'Assemblée qui font, pour chaque séance de la CCBF, un travail administratif de préparation et de compte-rendu. C'est eux aussi qui ont rédigé, il faut le dire, le rapport complet que nous avons sous les yeux et que le président de la CCBF a signé. Je préfère en fait utiliser le peu de temps qui est imparti à chaque intervenant pour, d'une part, revenir sur certains constats et demandes des membres de la CCBF et qui figurent pour la plupart dans notre rapport, et par ailleurs pour évoquer les manques de notre contrôle et les avancées que nous devrions réaliser à l'avenir pour parler d'un véritable et complet contrôle. Alors, parmi ces demandes, ces constats et demandes des membres de la CCBF, je dois dire, et j'essaye d'être un membre assidu, ce qui n'est pas le cas de tous les membres de la CCBF, et je renouvelle mon regret que mes collègues n'aient pas accepté mon amendement pour changer le règlement intérieur et faire qu'il y ait un suppléant à chaque membre, ce qui aurait quand même pu permettre d'étoffer le nombre de membres de la commission lorsqu'il s'agit de rendre des avis. Parce qu'effectivement, peut-on dire qu'un avis a du sens quand 2 ou 3 personnes seulement donnent cet avis, même s'il y a des procurations. Donc, au cours de ces réunions, il m'est apparu quelquefois difficile, voire impossible de donner un avis pertinent sur des projets d'attribution d'aide financière, notamment lorsque les objectifs poursuivis par un ministre ne sont pas suffisamment explicites à notre esprit. Je voudrais évoquer le vieillissement de certains dispositifs d'aide publique qui n'ont pas été revus depuis des lustres, mais que l'on maintient d'une année sur l'autre. L'absence d'évaluation des résultats obtenus, si ce n'est un attachement clientéliste, l'absence de règles claires et précises pour prendre la décision qui laisse la porte ouverte à des choix opportunistes ou discrétionnaires ou à la pression politique autour du ministre. Je précise qu'il ne s'agit pas de toutes les situations, mais elles sont suffisamment répétitives de séance en séance pour le dire. Je voudrais vous rappeler que, par exemple, les dispositifs de soutien, et je regrette que vous soyez si peu nombreux, messieurs du gouvernement, à être présents, je voudrais rappeler que dans le domaine économique, les dispositifs de soutien qui coûtent de l'argent public et que pour lesquels nous votons de l'argent chaque année, datent parfois. Par exemple, j'ai déjà évoqué l'aide en faveur des bouchers abatteurs qui date de 1983. Est-ce qu'il ne faudrait pas le revoir ? Le moderniser, je n'ai pas dit le supprimer. On a l'impression qu'on refait chaque année les mêmes choses, l'administration refait. Mais pour quel résultat? Pour quelle politique? L'aide pour le développement de l'agriculture date de 2000, de la copraculture de 2006, de la pêche lagonnière de 2000, les activités de pêche 2000. Notamment la prise en charge des différentiels de change, du fret, etc. La perliculture de 2005, des syndicats représentatifs de 1991, des établissements d'hébergement du tourisme de 1996, la CDE de 1999, l'aide pour le soutien à l'exportation 1997, l'aide au commerce de proximité date de 2009, mais on voit bien qu'il y a aussi nécessité de l'adapter. Comme pour la PAC, on l'a dit la dernière fois, il faut revoir les textes, il y a des aménagements à faire. Alors, la CCBF est amenée à se prononcer
sur une espèce de routine. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de dire non, il faut sans doute réévaluer, revoir. Alors, je donne un autre exemple. Dans le domaine sportif, j'ai souvent eu, comme mes collègues, je pense, membres de la CCBF, l'impression d'un saupoudrage. Je rappelle que 63% des projets d'arrêtés de subvention aux associations, soit 166 sur 263, sont allés au mouvement sportif. Regardez la page 183-184 du rapport, vous verrez, il y a un jour, on a dû nous prononcer sur 60 projets d'arrêtés pour des associations sportives. Quel est le sens de tout ça? Ce sont les questions. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas donner, mais quel est le sens? Pourquoi faire? Pour quel objectif? Pour quelle politique? Ça représente quand même 301 millions, ces associations sportives, sans compter ce qui peut être versé par l'IJSPF. Autrement dit, et c'est mon premier sentiment, dans le doute et dans l'attente de révision maintes fois demandée, j'ai personnellement souvent hésité à donner un avis favorable. Mais je l'ai donné généralement, mais avec insatisfaction, en disant « mais nous avons besoin de voir une dynamique » et c'est ma demande au gouvernement. Pouvez-vous revoir les dispositifs d'intervention, évaluer leur utilité, fixer des critères et des conditions d'attribution et nous présenter vos propositions ? Lorsque l'argent se fait rare, comme aujourd'hui, il est indispensable d'optimiser les choix budgétaires et non de garder d'année en année des dispositifs qui sont peut-être en partie inefficients ou en partie inadaptés. Pire, on l'a vu ces dernières années, et je n'accuse pas particulièrement votre gouvernement, Monsieur le Président, on a vu tout le monde moins 6%, moins 10%, moins 15%, aveuglément, alors que je pense qu'il faut voir selon les cas où on peut réduire et où il faut absolument maintenir. Ça, c'est vraiment une demande de ma part. Bien des ministères restent dans une logique de moyens. C'est l'argent. On donne des moyens, on donne de l'argent accordé, mais sans que les résultats ambitionnés sur la base d'une volonté de faire évoluer, d'atteindre des objectifs de progrès n'apparaissent suffisamment. On a le sentiment toujours d'une gestion au quotidien, sans remettre en question ce qui se faisait avant eux. Je voudrais donner un exemple. En matière de crèche-garderie que je connais, il y a un dispositif dans le cadre de la CDE pour aider les crèches-garderies à se mettre au niveau et aux normes en matière de sécurité. Mais il y a un autre dispositif qui est géré par les affaires sociales. Ils vont parallèlement. Alors, ces pauvres exploitants de crèche-garderie doivent aller de l'un à l'autre, pas savoir lequel il faut choisir, sans compter qu'en plus, on s'aperçoit que ces deux dispositifs qui ne sont pas tellement utilisés. Donc, il y a vraiment un travail pour optimiser les choses. Alors, je voudrais, pour dire que tout est possible et tout peut être amélioré, dire qu'il est incontestable qu'un progrès remarquable a été réalisé dans la transparence de la politique de soutien aux communes à travers le dispositif géré par la DDC. À la suite de la modernisation justement des textes qui ont été introduits par la loi de pays que nous avons votée en novembre 2010 et préparée par notre collègue Édouard Fritsch, ainsi que la direction de la DDC, et qui a trouvé sa pleine application en 2011, et que vous poursuivez, Monsieur le Vice-président. Et je vous conseille de voir les pages 26 à 31 du rapport qui le disent. Autrement dit, la politique publique de soutien à l'investissement des communes est claire dans ses objectifs, dans ses critères d'éligibilité et d'attribution. C'est du reste pour cela que le projet de loi de pays que la CCBF a proposé à l'Assemblée pour fixer des seuils de passage imposés à la CCBF ont pu être élevés pour les communes. Nous n'avons demandé à voir que les subventions au-dessus de 10 millions. Pourquoi ? Parce que nous savons qu'en dessous, tout est bien cadré, tout est très clair. C'est ça la transparence. Alors, faisons en sorte que pour les autres secteurs, petit à petit, ce manque de transparence et de rigueur
soit réduit et nous pourrons à ce moment-là remonter les seuils parce que nous saurons que tout cela se fait dans un cadre, dans des objectifs, une politique est très claire. Alors, par ailleurs, est-ce que l'on peut dire que même si cela se faisait, ce serait suffisant pour affirmer que notre Assemblée exerce un contrôle démocratique complet sur les aides financières accordées? C'est vrai, nous votons le budget, nous votons le compte administratif, mais si le législateur a intégré la CCBF et de la réglementation que nous avons adoptée entre, c'est bien parce qu'entre les deux, on a besoin d'un suivi de l'exécution. Or, je voudrais dire qu'il ne faut pas croire que la CCBF voit tout, toute l'exécution du budget. Je rappelle que la CCBF n'a pas un avis requis pour les aides aux personnes physiques. Donc, dans des secteurs comme l'agriculture, comme la pêche, où bon nombre d'aides vont à des personnes physiques, nous ne voyons rien. Nous avons besoin d'avoir pourtant une vision consolidée. Quelles que soient les personnes physiques ou morales, est-ce que les dispositifs, par exemple, de pêche lagonnaire sont efficaces? Est-ce qu'on peut les améliorer? À qui ils bénéficient? Ça, on ne le sait pas. Un autre exemple de limite. La loi de 2009-15 que nous avons adoptée soustrait de façon explicite, voire l'article LP12, du contrôle de la CCBF certaines interventions financières. Et pourtant, leurs montants sont considérables. Par exemple, les subventions de l'État aux établissements d'enseignement public, aux collèges. Il ne s'agit pas de revenir dessus, mais je rappelle, et j'aurais bien voulu le dire au ministre de l'Éducation qui n'est pas là, que depuis des années, l'Assemblée ne reçoit plus les comptes financiers. Il n'y a plus. Oui, mais je vais faire une proposition ultérieurement. Un autre exemple, les subventions aux établissements publics et organismes parapublics pour financer leur fonctionnement courant, dès lors que ce montant figure au budget primitif, nous n'en entendons plus parler. Quand même, ça fait 839 millions pour l'OPH, 200 millions pour le RDA, 315 millions pour Malardé, 125 millions pour le AD, 122 millions pour la maison de la paire, 1,150 milliards pour la caisse de soutien des prix du copra, et je pourrais continuer ainsi. Toutes les aides à l'emploi, CEPIA et autres, nous n'avons aucune information entre le vote du budget et le compte administratif. Voilà, je donnerai l'exemple aussi de la protection sociale. Entre 2 milliards donnés au RGS, au régime des salariés, 300 millions au RNS, 5 770 millions au RST, plus les 18 milliards de CST et taxes affectées, tout cela ne passe pas par la CCBF. Nous votons le budget, nous votons le compte administratif, mais en aucune manière nous n'avons de retour sur l'utilisation de l'argent de la protection sociale. Ce contournement de la CCBF, qui est légal, hein, se justifie si l'on considère qu'en votant le budget, nous avons donné notre accord. Mais, et c'est là où je voulais en venir, il manque toujours, insuffisamment explicité à mon avis, la politique publique conduite avec ses moyens, les objectifs poursuivis et l'évaluation des résultats. C'est vrai, vous pourriez dire, les membres de l'APF, qui ont voulu siéger dans les commissions extérieures. Et je rappelle que bon nombre en cumulent un certain nombre. Je pose la question, ont-ils l'assiduité, le goût et les capacités d'être les yeux de l'Assemblée dans tous les cas? Je vous rappelle, Monsieur le Président, que nous devrions très rapidement renouveler les nominations dans les commissions extérieures, puisque ça n'a pas été entériné dans le cadre du changement du règlement intérieur. Ben oui, c'est toujours après, mais au moins je le dis. Hein. Tout ça, c'est la démocratie. Alors, les petites entorses à la démocratie, comme on voit un petit peu fréquemment, ça finit par faire un petit peu d'inquiétude. Hein. Voilà. Je voulais aussi évoquer une autre chose. Vous pourriez me dire, mais
l'œil de l'Assemblée et le contrôle de l'Assemblée, ça se fait au moment du débat d'orientation budgétaire et du budget. Mais vous avez vu, je prends le temps de mes collègues qui me le donnent volontiers. Dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, non mais vous savez, Monsieur le Président, j'ai passé beaucoup de temps à écrire cela. C'est mon bilan à moi de ma présence à la CCBF. Alors, laissez-moi le temps de parler, au moins ce sera écrit et dit. Ben oui, mais c'est la démocratie, c'est de pouvoir, moi, membre de la minorité, le dire aujourd'hui. Alors, je vous remercie de me laisser le temps. Le débat d'orientation budgétaire que vous avez mené m'a extrêmement déçu l'an dernier. Il n'y a pas vraiment eu de débat. Qu'est-ce qu'on a fait? Chacun a fait des interventions, mais les ministres n'ont pas exposé leur politique. Non, c'est la façon dont vous interprétez le statut et le règlement intérieur qui n'est pas démocratique. Un autre exemple, lors du vote du budget, vous m'avez coupé plusieurs fois la parole. Eh bien, je dis que je n'ai pas pu exercer mon pouvoir de contrôle. Un autre exemple, dans quelque temps, nous allons adopter, voter le compte administratif pour l'année 2011. C'est une mine d'informations sur ce qui s'est passé pendant toute l'année précédente. Comment on a utilisé le budget? Pour faire quoi? Pour quel résultat? Mais je vous encourage à faire en sorte que la séance consacrée au compte administratif ne soit pas une délibération qui passe en coup de vent, auquel on ne s'intéresse pas. Il y a véritablement là une mine d'informations qui fait partie du contrôle de l'Assemblée. Ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est ce qu'on fait avec l'argent et quels résultats on a. Et Monsieur le Président et Monsieur les ministres, ce n'est pas contre vous en particulier que j'en ai, mais c'est le fonctionnement de notre institution que je voudrais voir encore s'améliorer. Et je voudrais dire, j'ai deux choses à dire pour terminer. Je réitère, compte tenu de tout ce que je viens de dire, mon souhait et notre souhait pour notre groupe, que chaque année, avant l'étude du budget et au moment du débat d'orientation budgétaire, nous ayons trois débats spécifiques sur l'éducation et l'insertion des jeunes. Une synthèse. Pas la peine d'aller étudier tous les comptes financiers, détail par détail. Mais quel est l'état de notre système éducatif? Chaque élu va dans les conseils d'administration, mais en aucun moment il y a une synthèse. On a besoin de ces informations. Un autre débat sur l'état de notre santé et de notre protection sociale. On n'a jamais cela. Et enfin, un débat sur la situation économique et de l'emploi. Je crois que si nous arrivions à faire ces trois débats chaque année, eh bien, véritablement, nous progresserions dans la voie de la transparence et de la démocratie. Enfin, je terminerai par deux autres points. Il y a un élément de la loi organique que la CCBF n'a jamais vu mis en œuvre. C'est dit à la page 49 du rapport, qui indique que l'article 186.2 de la loi statutaire prévoit que la CCBF doit être destinataire pour information des comptes annuels, des rapports des commissaires aux comptes, des SEM, dès lors qu'elle reçoivent par convention des aides financières ou une garantie d'emprunt, ainsi que tous les actes de gestion pouvant avoir une incidence sur l'exécution de ces conventions. Depuis que je suis à la CCBF, je n'ai jamais vu que la CCBF reçoive ces documents. Donc c'est un manque, à mon avis, que le rapport souligne et qu'il faudra combler rapidement. Enfin, et ça nous ramène à l'élection du président de la République, Monsieur le Président, la loi statutaire modifiée en 2007 a prévu en son article 129.1 que, je cite, « la Polynésie française peut conclure avec l'État une convention qui détermine les conditions dans lesquelles les agents de l'État
sont mis à disposition de l'Assemblée de la Polynésie française pour assister sa CCBF, celle de l'Assemblée, dans l'exercice de ses attributions. Je suis persuadée que notre travail serait approfondi, quand je dis notre, à nous neuf membres de la CCBF et à ceux qui suivront, si nous disposions de personnes qualifiées, capables de réaliser, selon notre commande, des analyses sur le fond de la pertinence des soutiens financiers que nous accordons soit à un secteur en vertu d'un dispositif existant, soit à un organisme dont la situation prête à débat ou comporte des risques financiers. Je pense à ATN, à TNTV, aux opérations de contrat de projet. Malgré leur bonne volonté, vos représentants à la CCBF, et je m'inclus dedans bien entendu, sont souvent démunis pour avoir un jugement exact et fiable, basé sur une analyse critique de la situation et des propositions du gouvernement. Je rappelle que les techniciens des ministères sont tenus à un devoir de réserve, de même que les techniciens de l'administration, donc ils ne nous disent pas tout, on ne nous dit pas tout. Hein? Donc, je pense, et n'oublions pas que les crédits collaborateurs du président de la CCBF ne sont pas utilisés pour des techniciens qui pourraient nous éclairer. Les membres, les agents du service des commissions de l'Assemblée ont un travail purement administratif, donc il nous manque des techniciens. Alors, Monsieur le Président, l'élection du nouveau président de la République devrait être pour vous et pour le président de l'Assemblée l'occasion de saisir cette opportunité de disposer d'experts à deux conditions à négocier, que ce soit une mise à disposition gracieuse et deuxièmement que ces experts aient l'obligation de former pendant leur temps de mission des jeunes Polynésiens à l'exercice de leur discipline afin que, au moins pour ce point-là, le vœu d'océaniser les cadres devienne une réalité et non pas une parole en l'air. En tous les cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir laissé tout ce temps. Merci. Maruru Moïtei, Armel, vous aviez droit à 10 minutes, vous avez parlé 23 minutes et 30 secondes. Imaginez ma grande magnanimité, chère madame. J'invite l'intervenant de Temanao Temomutu à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est l'intervention de Mme Parker Eliano, qui est membre de la commission de la CCBF. Alors, la commission du contrôle budgétaire et financier a été mise en place pour instaurer une transparence, notamment des aides, subventions et autres soutiens du pays à des personnes morales. Aujourd'hui, la CCBF s'est installée dans le paysage institutionnel. Une pratique s'est instaurée qui a d'ailleurs suscité quelques modifications pour assouplir les conditions de saisine de la Commission. Aujourd'hui, l'utilité de cette Commission semble recueillir le consensus et plus aucun d'entre nous ne souhaiterait s'en passer. La CCBF est d'abord utile à mesurer l'évolution de l'intervention financière du pays. 9 projets sur 10 soumis à l'avis de la Commission concernent les aides financières. Leur nombre a diminué de 26% depuis 2009 et la masse financière qui représente tout de même près de 97% du total a, elle, diminué de 57% sur la même période. La constatation est la même concernant la participation du pays au capital de société. Elle ne représente plus aujourd'hui que 0,55% de la masse financière globale. C'est assez symptomatique des difficultés financières du pays. Il y a moins d'argent à distribuer. Cette rareté des moyens financiers a conduit à une étude plus fine par les services du pays des demandes d'aide. Elle conduit à une exigence nouvelle et nécessaire d'une meilleure utilisation des fonds publics. Cette exigence est celle évidemment du pays et de ses services administratifs. Elle doit être également celle de toutes les personnes morales, associations, communes, sociétés, entreprises, parapubliques qui bénéficient du soutien du pays dans la mise en œuvre de leurs projets. Disons-le clairement, toutes ces personnes doivent apprendre à faire avec moins d'intervention des pouvoirs publics qui n'en ont plus les moyens. Cette situation de rareté devrait également nous pousser à concentrer nos efforts sur les actions au secteur qui présentent un réel intérêt public et collectif.
Car après tout, on parle bien d'argent public qui devrait en premier le profiter au plus grand nombre et non pas à des intérêts privés, catégoriels ou personnels. Cela devrait nous engager à fixer une politique publique en matière de soutien avec des objectifs et des indicateurs clairs pour prioriser et connaître l'impact collectif réel des actions menées par ces personnes. Par exemple, si le plus nombre de dossiers concerne l'éducation et la jeunesse au travail des associations à but non lucratif, on constate néanmoins que la plus grande masse financière est allée aux sociétés privées pour près de 7 milliards, soit un peu plus de la moitié du budget. Si les associations doivent se professionnaliser et rendre compte du bénéfice collectif de leurs actions et de l'aide qui leur est apportée, il est également nécessaire d'inclure cette exigence collective auprès des sociétés privées. Ce doit être du donnant-donnant. Par exemple, pourquoi ne pas inclure une notion environnementale dans les critères de sélection des sociétés bénéficiaires ? Pourquoi ne pas limiter ces aides à celles qui portent une attention particulière à l'empreinte écologique de leurs activités ? Ces certifications existent. C'est important et nos concitoyens sont de plus en plus sensibles à ces problématiques. En un mot, je pense que le recul et les moyens nous engagent à aborder une nouvelle phase de cet interventionnisme et d'inclure de nouvelles exigences dans une approche plus globale et plus moderne. Maruru. Maruru Maitei, tetia o tetap. Merci. J'invite l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole. Monsieur le vice-président, monsieur le ministre, à vous et à tous. Bonjour. Je vais faire l'effort de vous soumettre mes points de vue en tahitien. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les observations que nous ont soumises nos deux collègues. Il y a énormément de questions. Seulement 22 représentants sont présents aujourd'hui pour examiner tout le travail qui a été fourni par cette commission la plus importante de l'Assemblée l'année dernière. Donc, cela montre vraiment que nous ne nous respectons pas. Deuxièmement, deux groupes au sein de l'Assemblée n'ont pas donné leurs observations, donc c'est dire qu'ils ne nous respectent pas non plus. Mais cela ne m'étonne pas non plus parce que lors des réunions de cette commission, les représentants de ces deux groupes ne sont pratiquement jamais là. Mais il faut dire les choses et c'est ce que je fais parce que depuis le début, je travaille au sein de cette commission. Depuis 2008 à aujourd'hui, c'est très rare que je ne sois pas là. Toutes les semaines, je suis là. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport? Premièrement, c'est de demander à nos amis de lire les travaux qui ont été rédigés. C'est peut-être la raison pour laquelle la majorité n'est pas là aujourd'hui. Deuxièmement, il faut faire l'effort d'analyser ce qui n'a pas été écrit. Et c'est là où nous rencontrons des difficultés. Et je rejoins sur ce point quelques points que nous a fait Armel. C'est à chaque représentant de l'Assemblée de faire l'effort d'assumer sa responsabilité. En lisant notamment les rapports avant la séance, il doit prendre contact avec tous les services du pays pour avoir une idée de ce qui peut se dire au sein du rapport. Deuxièmement, en séance, en réunion, il faudra être là
Et troisièmement, il ne faudra pas hésiter à prendre la parole. Et c'est ce que j'ai vu pendant 4 ans. Beaucoup parmi nous n'osent pas prendre la parole. Peut-être parce qu'ils ne savent pas trop s'exprimer dans les deux langues ou bien ils n'ont pas vraiment compris le dossier. Et donc, en tous les cas, il faut que tous ici, nous puissions nous exprimer nos points de vue. Que ce soit pour approuver, pour nous opposer. En tous les cas, c'est la part de responsabilité que chacun doit assumer. Donc, c'est la première leçon que je voudrais faire aux uns et aux autres. Deuxièmement, et je sais que vous êtes d'accord avec ceci, Monsieur le Président, mais pour la majorité, ce n'est pas encore le cas. Le président des commissions internes et les représentants qui siègent au sein des commissions extérieures doivent faire l'effort de nous faire parvenir ce qui se dit dans ces réunions, parce qu'ils sont là-bas pour nous et pour le peuple. Et c'est ce qui ne marche pas trop, que ce soit de tel ou tel groupe. C'est ce qui nous reste à faire. Nous devons accepter d'assumer nos responsabilités pour l'intérêt de la population, pour améliorer les conditions de vie de la population. Troisième point, si nous lisons en détail le rapport, je retiendrai plutôt 3 pages. La page 16. Donc, il y a eu plusieurs subventions qui ont été accordées. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des secteurs que nous devons absolument aider, mais que nous ne le faisons pas. Peu importe le gouvernement qui était aux affaires du pays. En tous les cas, il faudra dans les années à venir, dans les 2 années à venir, faire le nécessaire pour donner des subventions, des aides à la population d'en bas. Que ce soit aux Marquises ou dans un autre archipel. Il n'y a pas que les services qui doivent bénéficier de ces aides. Donc, nous devons faire l'effort d'informer notre population sur ces dispositifs. À la page 37, donc ça concerne les organismes du pays. Et donc, c'est grâce à l'argent du pays que ces organismes ont pu fonctionner. Et donc là, nous, nous devons aller auprès de la population pour que... Il y a un partage équitable de la répartition, parce qu'apparemment, c'est seulement certains qui bénéficient des aides. Et donc, je demande encore aux représentants présents aujourd'hui de nous faire parvenir les... le montant des défiscalisations qui ont été accordées pendant ces 10 années passées. Nous devons absolument le faire, même si à ce temps-là, les dirigeants de l'époque n'ont pas accepté de nous donner ces informations. Nous, aujourd'hui, nous devons le faire parce que cet argent que nous donnons, ce sont les deniers publics. Et donc, nous devons absolument informer tout le monde. À ce moment-là, la population aura confiance aux hommes politiques. Parce que d'après les résultats de ce deuxième tour,
la grande partie de la population n'est pas venue voter. Donc, c'est important. Et j'espère que demain, il y aura plus de votants. Mais pour qu'il y ait cette confiance, il est important d'informer la population. Et dernier point, j'aimerais remercier l'ensemble des membres au sein de la commission, du président, vice-président, l'ensemble des représentants au sein de la commission pour le travail qui a été fait. Comme le disaient nos deux collègues, il faut faire l'effort d'être présent aux commissions. C'est ce que je voulais dire à tous. Ce n'est pas pour nous, mais pour l'ensemble de la population qui attend des réponses de notre part. Et pour conclure, Monsieur le Président, nos dépenses, les dépenses que nous avons effectuées chaque année pour les réunions des commissions internes. Je vous demande, Monsieur le Président, pour répondre justement à quelques condamnations que j'ai entendues à la radio, notamment. Il faut dire qu'il faut informer la population. Lorsqu'il y a une réunion qui se réunit, il y a une commission qui se réunit, il faut faire connaître les dépenses qui ont été engagées pour ces réunions-là. Ça évitera aux autres d'utiliser cela comme arme politique. Et quand tout le monde aura ces informations-là, ce sera très clair. Et pour finir, bonjour. Merci, Monsieur le Président. Donc, je donne la parole au président de la CCBF. Merci. À cause du problème que j'ai rencontré, donc nous avons discuté avec le vice-président. J'ai entendu quelques interventions. Donc après l'intervention du vice-président, et j'exposerai le sujet. Je vous félicite pour la nomination du président. Merci. Donc, la photo sera changée la semaine prochaine. Monsieur Mairouna, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais m'exprimer en langue française. L'honneur et le plaisir de vous présenter le rapport d'activité de la Commission de contrôle budgétaire et financier. Conformément à la loi organique statutaire, la Commission de contrôle budgétaire et financier dresse chaque année avant le 31 mai, le bilan de ses travaux de l'année précédente, publié au journal officiel de la Polynésie, le rapport d'activité fait l'objet, dans le mois qui suit son dépôt, d'un débat à l'Assemblée de la Polynésie française. Pour rappel, la CCBF a été mise en place suite à une modification du statut d'autonomie de la Polynésie en 2007, dans le but de permettre un contrôle préalable sur les aides financières et garantie d'emprunts accordés aux personnes morales, ainsi que sur les projets d'opérations immobilières du pays et de nomination de directeurs d'établissements publics ou d'administrateurs dans les sociétés dans lesquelles la Polynésie française détient une partie du capital. En 2011, la Commission a été amenée à se réunir presque chaque semaine pour pouvoir, en fonction des saisines du président de la Polynésie française, rendre un avis dans les délais impartis par la loi statutaire. C'est ainsi qu'au cours des 43 séances qu'elle a tenues durant l'année écoulée, la Commission a examiné 617 projets de décision
avec le concours et l'éclairage des représentants du gouvernement, des services ou établissements publics, ou encore des organismes parapublics ou privés. Au-delà des projets d'arrêté relatifs à des opérations immobilières du pays ou à des nominations, qui représentent une part minime des consultations de la CCBF, l'activité de la Commission a été consacrée en grande partie à l'étude de projets d'arrêté d'attribution de subventions aux associations, d'aide aux sociétés et aux établissements publics ou organismes parapublics, ainsi que de concours financiers apportés par le pays aux communes. Ainsi, les aides aux diverses personnes morales, relevant tant du secteur privé que du secteur public, transmises à l'examen de la Commission, ont représenté en 2011 une masse financière de 13 392 424 396 francs. En outre, la CCBF a été saisie d'une demande de participation au capital d'une société pour un montant de près de 76 millions de francs. Elle s'est également prononcée sur 12 opérations immobilières du pays, qu'il s'agisse d'acquisitions foncières, d'échanges et de cessions ou de dons. Enfin, l'avis de la Commission a été sollicité sur 35 propositions de nomination de chefs d'établissement public et de représentants de la Polynésie française au sein des organes délibérants des sociétés d'économie mixte. Au-delà de ce travail de consultation, l'année 2011 aura été l'occasion pour la Commission de mettre en œuvre l'article 157-2 de la loi statutaire telle que modifiée par la loi Ponchard et d'élaborer une proposition de loi du pays relative aux seuils applicables aux aides financières de la Polynésie française soumise à l'avis de la CCBF. Ce texte vise à alléger les procédures d'attribution d'aides financières aux personnes morales privées ou publiques, en évitant le passage par la CCBF des subventions de faibles montants. Néanmoins, dans la détermination des seuils, la CCBF a tenu à affirmer sa volonté de continuer à assumer pleinement sa mission de contrôle de l'ensemble des aides financières accordées aux personnes morales et à être ainsi informée mensuellement des aides financières attribuées par le Conseil des ministres sans que la Commission n'ait été consultée. L'adoption de la proposition de loi du pays par notre Assemblée, dans sa séance du 29 mars 2012, a constitué l'aboutissement des multiples séances de travail de la Commission à ce sujet. Pour terminer, je souhaiterais, en tant que vice-président de la Commission et également représentant le président de la Commission, remercier tous mes collègues et tous membres de la Commission de contrôle budgétaire et financier pour nos échanges riches et constructifs. Les remerciements vont aussi aux chefs de nos services et établissements publics ou encore aux représentants d'organismes parapublics ou privés, ainsi qu'aux représentants des ministères pour leur participation à nos débats. J'adresse par ailleurs également nos remerciements aux chefs des services des commissions de l'Assemblée de la Polynésie française et à toute son équipe, rédacteurs et secrétaires qui nous ont assistés tout au long de cette année. Merci. Je demande au gouvernement s'ils ont une intervention. Nous allons clôturer notre discussion sur la CCBF et je demande au secrétaire général de lire la correspondance. Oui, donc, Monsieur le Président, chaque représentant a reçu les correspondances. Merci. Nos travaux sont arrivés à leur terme et je remercie les uns et les autres. Nous nous retrouvons dans 15 jours. Merci. La séance est close.